Une douzième journée lancée par le Derby Corse, 0-0 jusqu'à la 94e. Rally Bouteille reçoit un centre de Louis Poggi. Il permet aux Gazèques de remporter le Derby Corse. Les Gaziers sont 4e, le Sporting Club de Bastia est 12e du classement. Le PSG n'a pas galéré face au TFC avec une victoire 2-0. Zlatan au 21e et son 5e but de la saison, 60e pour son 6e. Il permet au PSG de s'imposer 2-0. Les Parisiens sont seuls leaders avec 3 points d'avance sur l'AS Orléans. Le TFC est toujours 14e. Le FC Nantes. Malheureusement, lui concède le match nul à domicile. Les Nantais sont désormais derniers. C'est les Lyonnais qui passent devant à la différence de but. Le FC Metz est 8e. Le Stade de Reims reste dans la zone rouge avec ce match nul concédé à domicile contre Sochaux 0-0. Mais les Rémois sont désormais premiers non relégables. Sochaux n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. L'AC Ajaccio se défait facilement devant l'ancienne grâce à un but de Cavani. Score final 1-0. Les Corses de l'AC Ajaccio sont 3e à 1 point du Brest Orléans. Valenciennes une défaite pour la 1e fois et désormais 9e. L'AS Monaco s'impose 3 buts à 2 face à Guingamp. Le premier but il est inscrit par l'Assine Traoré du pied gauche. Second but par Nabil Djira, frappe contrée par Benjamin Ngoua. C'est un cafouillage. Erding réduit l'écart 2-1. Bernardo Silva redonne un avantage plus large à l'AS Monaco 3-1. Puis c'est finalement Benjamin Ngoua qui réduit le score une nouvelle fois. Score final 3-2. Une défaite insuffisante pour l'Anvon Guingamp qui est désormais 15e. L'AS Monaco est 10e. L'AS Saint-Étienne concède le match nul à domicile contre le Racing Club de Lens. Pourtant, ce sont les Stéphanois qui ont ouvert le score grâce à Père à la 26e. Mais pour y égaliser à la 54e, score final à partout. Les Stéphanois sont freinés dans la course à la 5e place. Ils sont désormais 6e. Le Racing Club de Lens, lui, est 16e du classement. 0-0 entre Laval et le Gazélec. Avec cette 12e journée remplie de très peu de buts. Les Lavalois ont tenté, mais sont tombés sur un très bon Clément Maury, qui en état de grâce lors de ce soir. Score final 0-0, le Gazélec est toujours 4e, le Stade Lavallois est désormais 7e. Yes, Orléans satisfait ses spectateurs à domicile avec une nouvelle victoire 1-0. Le premier but, enfin le seul but, il est inscrit par Livion Abab. 7e but de la saison qui est désormais seul meilleur buteur devant Zlatan qui le rattrapera. Score final 1-0. L'US Orléans est 2e, le LOSC est 11e. Le FC Lorient se défait du Stade Malherbe de Caen 1-0, grâce à un but de Ronny Rona, malheureusement contre son camp. Il ne peut dévier ce ballon du cadre. Score final 1-0. Les Merlus, c'est-à-dire Lorient, sont 5e. Et les Canets sont le premier non relégable. Et enfin, dans ce match, dernier match de la 12e journée, le TFC a concédé le match nul à domicile contre Nantes Gaillard. Score final 0-0. L'AS Monaco est 10e du classement. Le PSG est seul leader avec déjà 37 points. Et une équipe, et vous voyez le nombre. Vous voyez que l'US Orléans, la Saint-Ajaccio, le Gazélec et l'Orient ont tous les quatre marqué le même nombre de buts. Mais l'US Orléans est la seule équipe au bout de 13 journées qui n'a toujours pas encaissé de buts. Deuxième moitié du classement, le LOSC est 11e. Il n'y a que 2 points d'écart entre le LOSC 11e et le Stade de Reims 1er non relégable. En revanche, ce sont les deux derniers. Evian prend la place d'avant-dernier, alors qu'il lui est désormais dernier à cause de son match nul, concédé à domicile contre le FC Metz. La 13e journée s'ouvre demain avec le PSG qui reçoit le FC Metz, Valenciennes, Gazélec, Everton, Gaillard, Ajaccio, Lens, Saint-Etienne, Bastia, Lorient, FC Metz, AS Monaco. Le FC Sochaux reçoit le Toulouse Football Club, le Gazélec recevra Laval, Stade Malherbe de Caen, Lens, Lille, Nantes et Guingamp Stade de Reims.